Voilà. Aujourd'hui, on va faire je vais vous parler plutôt d'une chanson plus récente dans la carrière de Pierrot. C'est une des chansons je veux dire, de la deuxième époque. Et c'est la chanson Ensemble, que tout le monde connaît évidemment, qui est une des plus connues. Que moi, je n'ai pas travaillé avec lui, parce qu'à l'époque, je ne travaillais plus avec Pierre régulièrement. Mais que j'ai découvert, que j'ai entendu à la radio, je me suis dit, ouh là là, là, il tient un tube, là, c'est magique. Et d'ailleurs, une des dernières fois que je l'ai vu, il m'avait dit, tu sais, ça commence à marcher en France, l'album, je vais dire avec l'accent chinois, Tatsu Pao, et ben, il démarre bien, et voilà, donc moi j'étais hyper content pour lui, très très heureux, puis je trouvais ce titre magnifique. Et je pense qu'on a joué quand. Le jour de ses funérailles, je pense que c'est un titre qu'on a joué au moment où il est entré dans l'église et je dois avoir une petite larme à l'œil. Et ce morceau, donc, j'ai mis beaucoup de temps à savoir comment j'allais le traiter, surtout pas à ma manière, vraiment d'essayer de rendre. Les morceaux dans lesquels j'avais joué, j'avais pas de gêne de les jouer un petit peu brut, un petit peu cover, mais celui-là, je voulais vraiment, à la limite, qu'on ne sache pas quel morceau allait démarrer. Donc c'est ça que j'ai fait, je vais tout simplement le jouer et je pense que j'espère modestement avoir réussi parce que Christian Martin, qui est coproducteur de mon album, m'a dit, ah ça se situe en Bagdad Café, et attention, Eric Satie, donc ce qui pour moi était très élogieux, merci Christian. Bon, j'espère que vous avez pensé à la même chose, j'ai joué quelques mesures de ma version d'ensemble. Vous verrez qu'on ne le reconnaît qu'après quelques instants.